Alors bonsoir bien-aimé en ce moment sur Paris. Donc en cette nuit, en ce jeudi soir, c'est vrai que la ville est très animée. Et en même temps, on remarque sur les bas-côtés, dans les endroits retirés, des sans-abri. Et vous voyez des personnes passer à côté, voilà, qui les ignorent complètement. Donc bien-aimé, c'est aussi cela, partager la bonne nouvelle. C'est pouvoir apporter du réconfort à ces personnes qui sont dans le besoin, ces personnes qui sont seules. Ces personnes qui se sentent peut-être incomprises. Et en fait, bien-aimés, c'est cela, c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Alors même si, par exemple, vous ne connaissez pas Jésus-Christ, mais le simple fait de venir vers ces personnes, de leur montrer une certaine affection, bien-aimés, cela peut changer leur vie, tout simplement. Ces personnes peuvent être soit votre mère, votre père, votre sœur, votre frère, quel que soit leur âge, bien-aimés. Alors c'est ce passage-là, en fait, ce message que le Seigneur a mis à cœur en cet instant, tout simplement. Et parce qu'il dit lui-même, Jésus-Christ, voilà, lorsqu'il reviendra, il mettra sur sa gauche les boucs et sur sa droite les brebis. Et que ceux qui n'ont pas offert à manger ou qui n'ont pas vêtu leur prochain ou qui ne leur ont pas montré une certaine forme d'attention, alors ceux-là risquent d'être condamnés, bien-aimés. Donc encore une fois, c'était le message du soir. Et je prie, bien-aimé, que le Seigneur, par cette vidéo, par ce message, puisse ainsi vous toucher en plein cœur et vous ouvrir les yeux. Parce que nous ne savons pas de quoi sera fait demain et cela peut tomber sur n'importe qui, tout simplement. Donc, restez bénis en Christ et à très bientôt.